On va parler de cette histoire qui est sortie. C'est le devoir qui a fait le travail puis qui a vérifié. Vous savez, quand on parle des cas qui se retrouvent devant les tribunaux puis on invoque la non-responsabilité criminelle parce que la personne n'a pas toute sa tête pour commettre un crime, on a toujours l'impression que c'est dur de juger ce, ce genre de situation-là. Et ça l'est. Ça l'est pourquoi? Parce que ça prend des experts qui sont capables de vraiment voir à travers les témoignages pour déterminer s'il y a ou non une responsabilité criminelle. Et là, ce qu'on apprend, c'est que dans les cas. Que 70% des verdicts de non responsabilité criminelle ont lieu en région où il n'y a pas beaucoup d'experts pour faire ce travail-là. Donc, ça, ça soulève la question est-ce qu'on a les outils pour vraiment déterminer ça en dehors des grands centres C'est important quand même. On va parler donc dans un instant avec la docteure Stéphanie Bourdrop Paget, qui est psychiatre légiste justement. Mais d'abord, une autre histoire qui est sortie. C'était dans la presse cette fois. Euh, D'abord, ça commence en 2004. Il y a eu une adolescente. À ce moment-là, elle, elle dénonce des agressions sexuelles. Elle est dans une famille d'accueil. Puis elle dénonce le père de la famille d'accueil. Personne ne l'a cru à la direction de la protection de la jeunesse. Puis on a continué d'envoyer des jeunes par la suite. Alors, vous, la suite, vous l'imaginez, les problèmes ont continué et les victimes se sont additionnées. Ça, ça a poursuivi de 2004 jusqu'en 2021, où là, évidemment, euh, il y a eu une autre dénonciation. Et non seulement il y a eu des cas d'agression, mais ça a instauré, on apprend, un climat de, de culture de violence qui fait que même à l'intérieur des gens qui résidaient dans cette résidence-là, il y a eu des, des, des agressions. Et donc, une autre jeune résidente qui a dénoncé en 2021, et là, la direction de la protection de la jeunesse a finalement agi. Euh, C'est quand même pas rien. Nancy Audet, donc journaliste, autrice, conférencière, ex, euh, elle-même. Elle a déjà vécu euh, donc, dans, dans des résidences de, euh, placées par la DPJ. Nancy, euh, qui est notre ex-collègue à TVA Sport aussi. Salut Nancy, content de te retrouver. Bonjour. Bon, c'est ton combat aussi euh, par la suite, puis euh, tu en as parlé dans ton livre. Puis on t'a entendu euh, souvent sur la, sur la place publique euh, prendre position sur cette question importante. D'abord, ta réaction à toi personnellement quand tu as vu le résultat de ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire que 2004, il y a une jeune fille qui, qui dénonce agression sexuelle, oui. ce qu'on demande aux enfants de faire, oui. parce qu'évidemment, ils sont vulnérables, et puis on la croit pas. Mais profondément troublée. Euh, je pense, euh, je veux d'abord penser à cette euh, fille-là, cette euh, cette adolescente qui a eu le courage hein, de de dénoncer parce que c'est pas facile. Je pense aussi à toutes les autres victimes. On aurait dû éviter ça, mais malheureusement, euh, Michel, je ne suis pas surprise. Mmh. Euh, ça arrive trop souvent, trop ouais. souvent que la direction de la protection de la jeunesse n'écoute pas la parole de l'enfant, n'écoute pas la parole du jeune. Et ça, il faut que ça cesse. Parce qu'on le voit, il y a ce cas-là, il, il y en a plein d'autres, je vous le dis. Pas seulement, oui, il y a en famille d'accueil, il y en a aussi en foyer de groupe, il y en a en centre jeunesse. Donc, euh... C'est inacceptable, ce qui est arrivé. Puis je pense qu'il y a des gens qui doivent rendre des comptes. Ouais. L'imputabilité, on en parle souvent, hein? ils ne semblent pas en avoir ouais. du côté ouais. de la DPJ. Et c'est les, les enfants qui sont les, les grandes victimes là-dedans. Alors, tu dis les enfants, parce que tu as raison de le dire, Nancy. Il y a 70 enfants et adolescents qui ont été placés dans cette même famille-là, où on sait qu'il y a eu des agressions. C'est épouvantable. Euh, euh, épouvantable. Je veux dire, effectivement, c'est épouvantable. c'est beaucoup de jeunes... C'est ça qui me surprend et mais... qui m'étonne encore. Comment est-ce que ça peut encore passer sous le radar? Après la commission Laurent, après tout ce qu'on a dit, après les multiples est inacceptable. reportages, est-ce qu'il y a des gens là-bas? C'est inacceptable. Puis je veux dire, j'entendais M. Carman dire qu'il était scandalisé, mais je m'excuse, mais M. Carman est au courant. Je veux dire, euh, euh, il y a des gens qui sont allés en prison dans ce dossier-là. Euh, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a été interpellée aussi. Qu'est-ce que la commission a fait? à quel point on peut, on peut continuer à laisser tomber des enfants qui sont victimes à l'intérieur même du système qui est censé les protéger, Michel. Mmh. Ça n'a aucun sens. On a eu la commission Laurent. Les Québécois ont payé plus de 12, 000, 12 millions de dollars pour cette commission-là. Ouais. Et les résultats tardent à venir. On le voit encore avec cette histoire-là. Euh, cette, cette adolescente avait des parents, des parents qui l'ont qui l'ont sorti du centre jeunesse, qui ont essayé de s'en occuper. Moi, ce qui me préoccupe énormément au moment où on se parle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de parents dans leur vie et de protecteurs. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, Michel, et je vous le dis, j'entends des histoires d'agressions ouais. sexuelles chaque semaine en foyer de groupe dans les centres jeunesse. Encore, il n'y a pas longtemps, ici à Montréal, il y a des jeunes qui ont été agressés sexuellement par des intervenants. Les intervenants ont été mis à la porte... On n'a pas appelé la police, on n'a pas avisé les parents et on laisse les enfants là. Et, et, et ce qui m'inquiète, c'est que quand les enfants après se révoltent, Michel, parce qu'on n'entend pas leurs paroles, eh bien là, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Hein? On les met en isolement à répétition, on les enferme dans des petites salles sans fenêtre pendant des heures, on leur fait subir des contentions. Et après, on se surprend que ces jeunes sortent du système plus mal en point encore que lorsqu'ils sont entrés. Et donc, je veux demander au ministre Carman qu'est-ce qu'il a qu qu l'intention de faire pour que ça cesse. Et vous le savez, on est sur le point de nommer, on espère aller de l'avant et de nommer un commissaire au bien-être et à la protection des enfants. Mais on ne respecte pas la recommandation phare du rapport Laurent en ne donnant aucun pouvoir à ce commissaire. Pourquoi on n'écoute pas les recommandations? On refuse donc de céder les pouvoirs de la CDPDJ, qui ne fait rien dans ces dossiers-là. On refuse de céder ces pouvoirs-là au nouveau commissaire. Pourtant, c'est ça qui est demandé. C'est la première recommandation. Et à chaque fois, on décide de prendre une autre ouais. direction, même s'il est clair que c'est ça, ça qu'il faut pour protéger les enfants vulnérables au Québec. C'est incompréhensible, Monsieur Jean. Nancy, c'est sûr que quand on entend, bon, le ministre Cameron qui dit qu'il est révolté, etc., je pense que tout le monde l'est. Mais en même temps, les, les dirigeants ont une responsabilité d'agir. Puis là, c'est le gouvernement qui est en place actuellement. Il y a eu la Commission Laurent. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises au jour. On sait ce qu'il faut faire. Puis pourtant, ça tarde encore. C'est comme si, au-delà des principes, la vraie volonté de changer les choses, on l'attend encore. On ne le voit pas sur le terrain. Il y a beaucoup de belles paroles, mais en vérité, sur le terrain, il n'y en a pas de changement. Au niveau de la nouvelle loi euh, 15, euh, la loi sur la protection de la jeunesse, les avocats en droit de la jeunesse me disent que ça n'a pas apporté ouais. aucun changement pour l'instant à cette culture-là. Euh, on doit se poser des questions. Euh, vous le savez, il y a eu près de 136 000 signalements au Québec l'année dernière. C'est un triste record. Ça, c'est 370 enfants par jour. C'est sept gros autobus wow. qu'on remplit d'enfants par jour. Ça, ce sont nos enfants. Ce sont des signalements pour Maltraitance. Là-dessus, il y a plus de 3 000 enfants qui ont été agressés sexuellement. Là, on a un problème. Il faut qu'on s'en parle, mais surtout, il faut qu'on passe à l'action. Et je ne sens pas l'urgence d'agir du côté du gouvernement. Il y a une urgence. C'est une urgence de santé publique. Mm. C'est pas juste moi qui le dis, euh, bah oui, bah oui, bah oui, bah M. Jean. Bah oui. Je veux dire, il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui ont une expertise qui disent que c'est une urgence de santé publique. On ne sent pas ça du côté du gouvernement. Oui. Il faut, il faut que ça cesse, là. Des histoires comme ça, il y en a trop. Et c'est c'est soit, une soixantaine d'enfants, mais il y en a plus que ça, ben malheureusement. Ouais. Il faut qu'on prenne soin de ces enfants-là. C'est 70, sont. simplement, dans cette maison. On en a COD, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de venir nous parler aujourd'hui. On l'apprécie. Merci à vous. Au revoir.